Et salut à tous, bienvenue pour ce nouveau épisode de Call of Juarez, Bone and Blood. Aujourd'hui, on continue notre aventure avec Ray. Et j'ai perdu le nom. Ça va me revenir, enfin bon, bref. On continue, on avons fait une petite mission toute simpliste pour virer l'Irlandais, là. Et Ray, je crois, nous a fait un truc vraiment salaud. Il a tué l'homme. Il n'a même pas écouté son frère. Allez, on continue. Ah, ça vous l'avez déjà vu. J'avais tout essayé pour dissuader mes frères bon, de commettre cette folie. Je vais passer ça. Et là, on va entamer le chapitre 6. Attention. Ray succombait peu à peu à l'obscurité. Et je pouvais voir que Thomas était lui aussi sous le charme du succube. Qu'étions-nous venus faire dans ce lieu de perdition? J'avais beau supplier mes frères de partir, ils n'entendaient désormais que l'appel de Juarez. Mais ce n'était plus d'or dont ils rêvaient. C'était d'elle. La façon dont Ray la regardait remplissait mon cœur de crainte. Et bien que Thomas n'eût pas encore révélé ses sentiments, je voyais bien de quelle manière elle le regardait. Je priais chaque jour le Seigneur pour que ce qui s'était passé en Arkansas ne se reproduise pas. Ok, c'était Thomas, oui. Bah, on va prendre Thomas, parce qu'on avait pris Ray avant, donc... Un petit peu chacun. Ah oui. Ouais. Dis-moi quand t'es prêt à y aller. Mendoza nous attend. On n'est pas pressé. En fait, c'est un petit terrain, on peut faire des trucs annexes. Bon, on va faire ça. Des missions. Bienvenue, étranger. Je t'en prie, jette un œil. C'est des belles armes. J'en ai 306. J'ai ça. Ce serait bien. Oui, je sais bien, j'ai changé entre temps. C'est un peu dur. Bon, on a des flèches, mais il n'y a pas d'arc à flèches. Bah, des couteaux, je m'en fous. C'est trop cool. Attends, on va en foutre dessus. C'est nul. Ok, merci. Merci pour les gens qui sont derrière. Bon, je voudrais l'arc à flèche pour voir combien ça coûte. Bon, un bon arc, ça coûte 300. Ouais. Bon, vous savez quoi? On va acheter une arme assez puissante. Ah oui, mince, j'ai passé. Donc bon. On va faire ça. Bon, ok, j'ai pris ça. Et on va faire les quêtes annexes. Bon, on va prendre celle-là d'abord. On va un peu se dépêcher. Comme ça, je vais mettre aussi le chapitre 6, hein. J'essayerai. Bon, on peut sauver des civils en même temps. Et on gagne du fric, ça c'est bien ça. Ils sont là. Ce qui est bien avec l'arc à flèche, c'est qu'on a des moments de ralenti. Ça c'est assez bien. J'essaie de trouver un endroit où je pourrais passer. Parce que je crois pas qu'il faut... Non, je peux pas avancer par là. Bon, fais chier. Où est-ce que je peux passer?
Putain, j'ai déjà plus de flèches. Fuck. Ah ouais, mais on est... Et Thomas aussi. Ok. What? Mais pourquoi on est en l'air là? Pourquoi on vole? Mais what? Mais c'est quoi cette merde? Vous savez quoi? Non, je vais le mettre en séparé comme ça. Si vous n'avez pas envie de regarder ça, bah... voilà. Parce que c'est pas le seul qu'il y en a, qu'il y aura. Putain, je sais pas pourquoi. Je pouvais pas. Je suis mort tantôt. Ok. Putain, ça commence à me faire chier. Fichons le camp d'ici. Il y a des frics. Un couteau, je sais pas pourquoi j'ai eu un couteau, mais bon. Ok, bon, on va prendre ça alors. Putain. Mais allez, va... Bon, ellipse, désolé parce que là... Ok, bon, on va faire une autre méthode. Voilà, ben voilà. Je pars avec le cheval. What is the fuck? Ok. Moi, je vais pas faire ça, je vais prendre ça. Je l'ai remis en difficile ou pas? Bon, peut-être parce que j'ai joué à Call of juste avant. Ok. Ouais, je vous le mettrai dans un épisode à part, hein, parce que... C'est pas très intéressant ce qui se passe. What the fuck? Bon, c'est peut-être par là qu'il faut passer. Bon, on me tire, mais je sais pas d'où. Ah, à l'intérieur. Bon, ils sont déjà morts, c'est bien. Oh, une chaise. Oh, je peux pas prendre la chaise. Un peu nul. Je vais monter par la corde. Je passe à travers. Bon, ça je m'en fous hein, de ma capacité spéciale. Mais comment on passe encore? Ah, peut-être comme ça, il y a encore, j'en sais rien, non. Je sais pas comment on passe. On va essayer toutes les portes.
Oh. C'est là... Oh, même pas. Mais putain. C'est où? Ok. C'est bien. Je sais pas où c'est. C'est franchement énervant. Ouais. Mais normalement quand on joue... soit peut-être que ça s'adapte, on n'a pas le même fort, mais normalement quand on joue avec Ray, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il y a des moyens pour monter. Enfin bon. On va chercher. Non, il y a personne. Là, il y a personne. Une porte ouverte. Bon, on va essayer de faire toutes les... Ouais, ok. Tu veux ma tête, Cameron? T'as pas une chance. Je connais ce désert comme ma poche. Tu m'entends? Tu m'attraperas jamais. Allez, tous y faire. Ok. Bah on va les tuer. Badaï. On s'arrête pas pour eux. De toute façon. Ils peuvent pas franchement nous tuer. Tu vas dead. Crève, sale chien. Ok. Je peux pas passer par l'arrière. La loi, c'est nous ici, sale enfant de putain. Oh putain. De toi, Gringo. T'es le premier à m'approcher d'aussi près. Dommage que tu puisses le raconter à personne. Parce que t'as beau m'avoir rattrapé, faut encore me descendre. Eh bien sort. Oh, c'est un duel. Ah, c'est un duel. Eh ben. Putain, mais... What? Bon. On va se ressaisir. Putain, c'est... Il a sa main à 3 km. Et putain, mais il a sa main aimantée. Non, c'est deux pôles positifs, il s'éjecte. Il faut quasiment que je bouche ma souris tous les 10 secondes. Pour rester prêt à tirer. Prêt à tirer. Ta gueule. Mais va te foutre, Ouais, c'est ça, casse-toi. Je peux pas changer d'arme. Si c'est à cause de la forme de l'arme.
Ok, qu'est-ce qu'il a? Bon, on va le changer contre ça. Foire. Bon, maintenant qu'il ouvre la porte, on peut voir ce qu'il y a. Voilà, tiens, connard. J'ai le même jeu sur Xbox, et franchement, c'est beaucoup plus laid sur Xbox. C'est pas à comparer, ça vous dirait ça, quoi. Ouais, on est passé à la next gen, mais bon. Tu pouvais au moins sortir des bons jeux, ce serait merveilleux. Et là, il faut que je retourne. Notre endroit principal. Attends, des tirs. J'aime bien l'ombre là, avec une main. What the fuck man? Je t'ai sauvé mec. Hey mec, je t'ai tombé. À ton tour. En plus tu m'as même pas payé. Putain, je peux pas te tuer. J'ai écouté la fenêtre. Bon, déjà je suis pas payé et en plus... Bon, il me reste deux missions à faire. Rechercher, tata, et des vaches. Ouvrir, farmer. Bon, 400. Salut. D'abord, je vais m'acheter notre arme. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Coup de flèche. Bon bah... Mission suivante. On va faire ça. Lors d'un cambriolage de ce maison de Juarez, monsieur Barbaro... Barrero s'est fait voler plusieurs objets ayant une grande valeur sentimentale. Pour récupérer ses biens et s'assurer que les criminels soient punis comme ils le méritent, monsieur Coco offre une récompense de $100. Bon, on va le faire. Même si c'est pas beaucoup, il ouvre ce mec-là. Enfant de putain. Nous n'avons rien à faire ici. Et barre-toi alors. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. Ça peut grave, ouais, ouais. Je vais regarder. Putain, j'aurais pu passer. Mon avis, ouais. Mon avis. Passer d'une traite.
merde. Laisse-moi passer! Laisse-moi passer, bébé! Ou alors, ouais, on peut faire la ninja. Je sais pas s'il y a des moyens de discrétion. S'il y a de l'infiltration, si on peut faire de l'infiltration. C'est quoi ça? Infiltration. Incomplete. Non. Peut-être que c'est respiration. Mais what the fuck, man? Non, s'il me demande de tout recommencer, vas-y qu'il aille se faire foutre. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Putain... À mon avis, il y a quand même moyen de passer. Sans tuer personne. Va te faire foutre. Putain de merde. Grand écart. Bon. Son. Autre chose à faire, moi. Ok. On les encercle. Dès que je peux, ça va. Ça, parce que j'ai pas envie de me battre. Voilà. On dirait qu'il n'y a plus qu'une. Ah non, il reste encore tous les mecs derrière. Ah non, c'est le mec. Je vais te tuer.
Oh non, c'est le mec. Non, ça va. Et toi? What? Oh, deux tirs il m'a eu, c'est quoi? Mais va te faire foutre. Et là, on va me redemander de tout recommencer. Ah non, ça va. C'est de la chance. On dirait qu'il n'y a plus que nous deux. Allez. Enfoiré. Bon. Pour être simple, c'est un mec, il faut lui... C'est un genre de boss, il faut lui tirer plein de fois dessus. Hé Gringo, on dirait qu'il n'y a plus que nous deux. Un anti-rire à la moitié de ma vie. Ouh, ça c'est une bonne idée ça. Oh putain, mais même au ralenti, tire comme Lucky Luke, c'est quoi ce mec? Bon. La petite ellipse, hein, j'ai vu quand je t'ai tué. Oh non, non, et puis merde. Oh, je suis. Hé Gringo, on dirait qu'il n'y a plus que nous deux. Bien qu'il tire suffisamment. Les types dans ton genre n'en ont jamais assez. Tu crois que t'as le droit de voler et d'assassiner les honnêtes gens? C'est à cause de types comme toi et Pereiro que les habitants de la région doivent vivre dans la pauvreté. Mais ton heure est venue. Prépare-toi à mourir. Putain, t'es quand même dur à vaincre. Fuck you, bull. Allez. Monsieur Rashi. Ok, bon, on va aller au tout dernier. Ah, allez. Oh, un bel cheval tout noir. Où est-ce que je dois aller? Non, il est pas là. M'en fous. J'avance. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ta 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 ta. Avant ça, on va acheter des flèches. Putain, il n'y en a plus. Ça repoppe pas. Je peux t'aider. Filme à ton fric. Putain. Mais le chien qui... Le 10 juillet 1866, 40 têtes de bétail ont été volées dans les états fédérales de Saint-Denis. La gang Flores responsable de l'autorité de troupeau. On a pour chaque bête récupéré le prix. Si c'est une mission nulle, on la fera pas. Parce qu'on a quasiment eu deux fois la même de duel. Donc... Allez, c'est parti pour ça, il y a des vaches. Ta 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 ta. C'est pas là qu'on était tantôt?
Ah, il y a encore un truc à sauver. Quelqu'un à sauver. Les rumeurs disent que Peter le fou est de retour en ville. Ok, mais tu me donnes pas de fric, enfoiré. Tu me donnes pas de fric. T'es un enculé. Ouais, t'es un enculé. Je te sauve, je te donne rien. D'autre part. Si tu veux, mais bon. Paf le cactus. Je m'en fous, on avance. On s'arrête pas pour tirer. Il m'a tué. Vous allez se faire foutre. Le cheval, c'est vraiment génial. Bon, on va avancer. On va essayer de jamais s'arrêter. Putain, il a one-shoté mon cheval. Mais bien sûr, je vais te sauver, mon gamin. Ah, faut on avance maintenant, on avance. Putain. C'est même moi à dessiner. Putain. Le pire dans tout ça, c'est de rapporter quasiment rien comme fric vu que... Bon, j'ai 53 secondes. Ça se lève, on s'en fout. C'est pas le plus important. Va te faire foutre, hein, par le mec, il est en train de se faire cribler de balles et tire encore dessus. Bon. Oh, vous savez quoi, on va pas la faire cette mission là, je suis désolé. En fait, j'ai déjà tout l'équipement qu'il me faut pour les missions suivantes. Bon, je sais pas pourquoi je devrais encore chercher de l'item. Le pire, c'est s'il me demande de continuer la partie. C'est ce que je pense fou. Hein. Moi, j'ai déjà toutes les armes qu'il me faut. Et je sais que je m'en fous que ce soit un échec. Et oui, qui se sont enfuis, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les castagnettes.
Hey, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, je peux pas le tuer. Fuck. Ok, bon. On va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve à tout de suite pour un nouvel épisode de Call of Juarez Band in Blood pour le chapitre 6. C'était un épisode en tract. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si vous avez vraiment aimé. C'était Double Book pour la chaîne des commandes de jeux vidéo. Salut tout le monde et au revoir.